Ce qui fait la taille d'un établissement, c'est la qualité de ce qu'il vit, disait un contemporain. C'est sur ces mots, sinon c'est sur cette phrase, que nous avons pensé faire une visite éclair dans un établissement scolaire, de la place, un établissement catholique, de la place, pour se faire une idée de ce qu'est cet établissement, de ce qui se vit là-bas, de ce qui se fait justement. Et cet établissement, c'est le complexe scolaire Anne-Marie Javoué II, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Diri. Sur ce, nous allons aller à la rencontre de la coordonnatrice de cet établissement scolaire, la sœur Claudia Audrey Malonga. Elle est coordonnatrice, cela fait déjà une année qu'elle tient les commandes de cet établissement pour continuer à donner de l'éducation à nos enfants, pour continuer à donner de la base aux enfants du Congo. Ne dit-on pas que l'école est un haut lieu d'instruction? Ma sœur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et bienvenue dans la chaîne YouTube de l'archidiocèse de Brazzaville. Merci beaucoup. Alors, ma sœur, nous sommes dans votre établissement. Ça fait une année que vous tenez les commandes de cet établissement déjà. Qu'en est-il de l'historique de l'établissement, sinon du complexe scolaire Anne-Marie Javoué II? Nous allons marcher. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. En ce qui concerne l'historique de l'école Anne-Marie Javoué II, Massengo, l'école est située dans le 9e arrondissement d'Iri, au quartier Domaine. Cette école a été créée en octobre 2013 avec trois classes pédagogiques, à savoir le CP1, CP2 et CE1. Et à l'époque, celle qui était coordonnatrice, c'était sœur Virginie Marie-Noël Ngoma. Et au départ, elle quittait Javoué Centre-Ville pour venir superviser ce qui s'est passé ici. Et c'est en 2014 qu'elle est venue installer au moment où la communauté était installée. Et à ce moment, elle a pris en main les choses. Et depuis ce jour-là, au fur et à mesure, lorsqu'on évoluait en 2016-2017, nous avons eu la première promotion qui ont présenté le CEP. Et le résultat était 100%. Chemin faisant, en 2019-2020, nous avons ouvert le cycle secondaire avec une classe de la 6e. En 2013 débute déjà la première rentrée ici à l'école Anne-Marie Javoué II. 10 ans après, vous avez l'école a changé, l'école a pris vraiment de la forme avec beaucoup de classes. Pourtant, vous commencez avec 7
classe au primaire, 4 au collège, 3 au préscolaire, qui donne un total de 14 classes en 10 ans. Et l'école devient finalement une véritable référence dans le quartier, dans l'arrondissement. Alors, quand vous essayez un peu de regarder votre établissement Anne-Marie Javoué II, 2013 et de 2023, quel est le commentaire qu'on peut dresser de cet établissement? Le commentaire que je peux donner à propos de ces 10 ans qui viennent d'écouler, au départ, nous avons commencé avec 3 classes pédagogiques. Le quartier n'était pas aussi habité. Et au fur et à mesure, avec le besoin qui se sentait, nous avons dit qu'on ne peut pas croiser les bras comme ça. Nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant, raison pour laquelle nous avons ouvert d'autres classes pour pouvoir accueillir ces enfants. Puisque c'est ça notre charisme de la congrégation, on doit s'occuper de l'éducation intégrale à tous les niveaux. Donc, raison pour laquelle, au départ, on n'avait pas beaucoup d'enfants, mais aujourd'hui, cette année qui vient de finir, nous avons eu 508 élèves, du préscolaire jusqu'au collège. Et d'ailleurs, cette année... Et combien dans les classes? Dans les classes, 35, 41, 48. C'est pas trop, non? Non, c'est pas trop. Normalement, c'est l'effectif normal. Les classes n'étaient pas pléthoriques. Raison pour laquelle, lorsque nous avons constaté la classe du CE2, on avait 61 élèves. Nous avons dit c'est trop. Raison pour laquelle que nous avons scindé cette classe en deux. Donc on avait 30 et 31. Alors, ma sœur, le complexe scolaire est créé en 2013. Et en 2017, vous avez déjà eu votre première promotion qui a satisfait au CEP. Et il n'y a pas très longtemps, donc cette année, la deuxième promotion, sinon la première promotion, a satisfait également au BPC. Cette fois-ci, oui. Deux examens d'État, deux promotions. Quel est le commentaire qu'on peut dresser? Le commentaire que je peux donner à propos de ces deux examens, d'abord, pour nous, c'est une grande joie, une grande fierté d'entendre ces résultats. Et ce sont ces résultats qu'on attendait, puisque au départ, au niveau des écoles catholiques de l'archidiocèse de Brazzaville, notre école occupait toujours la première place. Donc, c'était notre souhait que nos enfants puissent réussir. Donc, pour nous, c'est une grande fierté, c'est une grande joie. Et on se dit que c'est vraiment là. Il y a un travail qui se fait ici, un travail de fond. Il y a de la discipline. Donc, les enseignants se donnent corps et âme pour pouvoir aider ces enfants à évoluer pour que, à la longue, qu'ils soient des bons citoyens dans la société. Alors, ma soeur, vous parlez de la joie. Jusque-là, on est très heureuse parce que nous faisons des bons résultats. On a toujours été les meilleurs parmi les écoles catholiques. Quels sont les résultats de l'école Javoué II jusque-là? Oui, les résultats, c'est que nous avons fait 100% au CEP, 100% au BPC cette année. Et les autres années aussi, c'était pareil avec le CEP. Et les classes de passage? Les classes de passage aussi, toujours la première place, c'est 100%. Il y a cela 5 ans que nous faisons 100% à l'école catholique Anne-Marie Javoué II. Alors, dans les murs de vos établissements, vous écrivez « Inspirer l'élève, c'est aimer son avenir ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire l'enfant qui espère, qui a confiance du travail qu'on lui donne, doit aimer ce qui sera demain. Donc, c'est cette éducation que nous donnons aux enfants.
pour les aider à être de bons citoyens dans la société. Voilà, je rappelle que nous sommes en entretien à l'école Anne-Marie Javoué 2, de l'autre côté de Massengo, c'est ça, domaine, donc dans le 9e arrondissement de Brazzaville. Et nous sommes en entretien avec la sœur Claudia Audrey Malonga, qui est la coordonnatrice de cet établissement. Il a de cela une année déjà, mais l'école existe il y a 10 ans déjà, donc une décennie déjà que cette école est implantée dans ce quartier fortement habité. Fait la joie, l'honneur, une fierté des gens qui y vivent, mais également beaucoup des gens quittent d'autres arrondissements pour le complexe scolaire Anne-Marie Javoué 2, parce que c'est la référence. D'ailleurs, on n'a plus rien à démontrer quand il s'agit de Anne-Marie Javoué. Jusque-là, les résultats sont très satisfaisants. Voilà pourquoi nous avons pensé faire un tour éclair ici dans ce complexe pour se faire une idée de cette école. Qu'en est-il de la réussite d'ici? Pourquoi beaucoup de gens préfèrent dans la zone, du part de Diri, faire inscrire leur enfant dans cet établissement? Et il y a déjà le collège qui s'est implanté déjà. Voilà pourquoi nous allons aborder ce sujet avec la sœur Claudia Audrey Malonga pour en savoir plus sur le complexe scolaire, mais aussi sur les perspectives d'avenir, parce qu'il y a un bâtiment R+1 qui est déjà en pleine construction. Pourquoi le bâtiment? Qu'est-ce qui sera réservé à ce bâtiment qui est déjà en construction? La sœur Audrey, donc Claudia Audrey Malonga, l'afflux des gens, des parents d'élèves, des élèves, des enseignants qui viennent solliciter leur entrée scolaire ici à l'établissement pour les élèves, pour les enseignants, solliciter l'emploi ici. Alors, sur quelles conditions, quelles bases, quelles sont les modalités pour lesquelles vous les recrutez, pour lesquelles vous les inscrivez, ces enfants-là? Merci pour la parole. En ce qui concerne le recrutement des élèves qui viennent s'inscrire, la condition est que l'enfant doit passer un test pour voir le niveau de l'enfant. Si on connaît le niveau de l'enfant, là où l'enfant a des faiblesses, à ce moment-là, on dira à l'enseignant qui va prendre cet enfant que cet enfant a des lacunes sur telle discipline. Donc on prend quelques enseignants et on peut faire soit une classe multigrade pour passer le test à ces enfants. Ah oui. Et en ce qui concerne l'enseignant aussi c'est pareil. Il doit passer un test pour voir s'il est capable de tenir une classe. Parfois, nous pouvons demander à l'enseignant d'enseigner une leçon et les autres personnels qui seront là seront considérés comme des élèves pour essayer un peu de et voir. Et qui évalue? Qui évalue, c'est l'inspecteur ou l'inspectrice ou la conseillère pédagogique, puisque nous avons une conseillère pédagogique à demeure. Uh-huh. Ah oui. Est-ce qu'il vous est arrivé aussi de recaler des élèves ou encore de refuser l'emploi aux enseignants pour manque de compétences? Ah oui. On ne recrute pas pour le plaisir de recruter, parce que c'est l'avenir des enfants. Donc, pour un enseignant, lorsqu'on constate déjà, lorsqu'on fixe le rendez-vous pour passer le test, on a dit, vous devez arriver par exemple à 9h30 et l'enseignant arrive à 10h. Déjà, c'est un motif. On voit que non, il n'y a pas du sérieux. Et lorsqu'on lit aussi les demandes, il y a des coquilles qui glissent. Là aussi, on peut... Quand vous parlez des coquilles, des fautes d'orthographe, de grammaire... Oui, c'est ça. Bon, peut-être une faute, deux fautes, on peut en passer, mais lorsque ça devient à répétition, c'est pas... On doit se poser des questions. Et concernant les dossiers à déposer, il n'y a pas de conditions là-dedans, pas de modalités, juste le test? Non. Pas de CFM, pas de...
Il y a aussi les dossiers que l'enseignant, le personnel doit déposer. Et dans le dossier, ce dossier est constitué d'une lettre de motivation, d'un acte de naissance photocopié, son extrait, non, pas l'extrait, un certificat médical, certificat de casier judiciaire, certificat de nationalité, deux cartes photo dans son dossier. Et il y a un CV aussi qui est là-dedans. Il y a aussi le dernier diplôme. Si l'enseignant a fait l'école professionnelle, à l'ENES, il a son CFN ou bien la licence en pédagogie, il peut aussi mettre. Mais de nos jours, ce que nous constatons, les enseignants, ils préfèrent faire des centres d'encadrement de 3 mois, la formation de 3 mois, 6 mois en pédagogie. Donc, lorsqu'on constate, il y a d'autres, il peut avoir sa licence par faute de, ou bien par manque du boulot, d'emploi, il préfère d'aller se jeter à l'enseignement en faisant la petite formation. Est-ce que c'est suffisant pour tenir une classe? C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais il y a d'autres, vous allez constater, il a cette vocation. Lorsqu'il a cette vocation, et vous allez voir que lorsqu'il sera en classe, vous allez vous sentir que non, celui-là, oui, c'est sa vocation. Et ce n'est pas suffisant, mais nous avons, c'est le travail aussi de la conseillère pédagogique, raison pour laquelle nous avons une conseillère pédagogique à demeure qui donne des formations, qui forme ces enseignants-là pour pouvoir tenir des classes. Alors, ma sœur, en arrivant chez vous, nous avons constaté un bâtiment R+1 en construction. Et on a essayé un peu de sonder les gens. On nous dit, voilà, c'est réservé à des classes. Quelles sont les classes qui seront dans ce bâtiment-là? Le bâtiment est réservé pour le cycle primaire et secondaire. Donc, au rez-de-chaussée, nous aurons les classes du primaire avec une salle d'informatique, en quelque sorte une salle polyvalente. Parce que cette salle-là, on peut l'utiliser comme informatique. Il y aura aussi la bibliothèque. Et en haut, à l'étage, nous aurons le secondaire. Donc, nous aimerions cette année que nous ayons 2 classes de 6e, 2 classes de 5e et 1 classe de 4e, 1 classe de 3e. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui fait le complexe? Ce qui fait le complexe, c'est lorsque nous avons déjà un cycle secondaire. S'il y a déjà le collège, l'école devient complexe scolaire. Mais s'il n'y a pas de collège, ça reste l'école. Mais Anne-Marie, j'avoue, le site 2, là où nous sommes, a longtemps pris l'appellation de complexe au moment où il n'était pas encore complexe scolaire. Non. Anne-Marie Javoué 2 a pris le nom du complexe. C'est en 2017. L'année 2017, lorsque nous avons ouvert la première salle de la 6e. Ah oui, c'est à ce moment-là que Anne-Marie Javoué a pris le nom du complexe scolaire Anne-Marie Javoué 2. Alors, la sœur, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Beaucoup de fleurs dans la cour. Qu'en est-il de ces fleurs, de cet embellissement-là? Si vous voyez beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres dans l'enceinte de l'établissement, c'est comme l'encyclique de notre sainteté, le pape François, l'écologie. Donc on doit préserver l'écologie, donc comme on nous invite de protéger les arbres, car les arbres nous aident, nous donnent de l'ombre, nous donnent un bon air. Et les arbres aussi embellissent aussi l'endroit. Quand vous voyez les fleurs sont là aussi pour embellir notre établissement. Alors la DEDEC
où la CEDUC, voilà, c'est la CEDUC, a lancé un principe de l'école verte. Est-ce que ce que vous faites avec l'écologie, puisque vous en parlez, avec le planting des arbres, est-ce que vous le faites avec des élèves ou seules les religieuses sont autorisées à planter ces arbres? Non, nous le faisons avec les élèves. C'est dommage, je n'avais pas affiché les photos que nous avons eues cette année lorsque la CEDUC a lancé cet appel-là pour l'école verte. Nous avons planté des arbres. Par ici, il y a des plantes ici et de l'autre côté. Sœur, c'est la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas pu aborder, que vous voulez aborder? Ce que vous n'avez pas abordé, ce sont les inscriptions. Et nous, inscription et réinscription, nous lançons un appel aux parents d'élèves, que les inscriptions et réinscriptions vont débuter le lundi 21 août 2023 à 8h. Donc, venez nombreux, les places sont limitées. Ah oui. Tu n'as rien à ajouter, ma soeur? Oui, c'est fini. Merci beaucoup. C'est la fin de notre entretien que nous avons eu avec la sœur Claudia Audrey Malonga, coordonnatrice du complexe scolaire Anne-Marie Javoué 2, de l'autre côté de Massengo, donc Djiri, Massengo, quartier domaine, un établissement de référence dans cette zone, un établissement qui fait la fierté des écoles catholiques dans ce secteur, dans cet arrondissement. Voilà, quant à moi, je vous dis grand merci. On se retrouve à une prochaine occasion avec d'autres thématiques. Je dis surtout merci à Destin Bikuta de l'autre côté de la caméra. Merci au cadre de la CEDUC, notamment la sœur Clarisse Koudissa. Et à une prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien. Merci.